Bonjour les enfants, me revoilà. Eh bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que cette semaine n'était pas très longue. Ben là, tout de suite, nous allons raconter une nouvelle histoire. Et le titre de mon histoire, c'est La petite poule rousse. Et c'est ce qui est écrit avec des lettres en noir. La petite poule rousse a été illustrée et écrite par Biron Barton. Est-ce que le nom vous dit quelque chose? Eh bien, c'est le même illustrateur et écrivain de l'histoire des trois ours. C'est le même monsieur. Eh bien, nous allons démarrer notre histoire tout de suite. Il était une fois quatre amis. Un cochon, un canard. Il y avait aussi un chat et une poule rousse, une petite poule rousse. Et la petite poule rousse avait trois poussins. Un jour, en picorant, picorer les enfants, c'est quand la poule utilise son bec pour attraper les graines au sol. Elle picore. Un jour, en picorant, la petite poule rousse trouva des graines. Vous les avez vues, les graines? Elles sont par terre. Elle alla voir ses trois amis et leur demanda « Qui veut m'aider à planter ces graines ?»« Pas moi !» dit le cochon. « Pas moi !» dit le canard. Pas moi, dit le chat. Alors, je planterai ces graines moi-même, dit la petite poule rousse. Et c'est ce qu'elle fit. Et les graines germèrent et devinrent de grands épis de blé. Alors, la petite poule rousse demanda à ses trois amis: qui veut m'aider à faucher ce blé? Pas moi, dit le cochon. Pas moi, dit le canard. Pas moi, dit le chat. Alors, je battrai ce blé moi-même, dit la petite poule rousse. Et c'est ce qu'elle fit. Elle a battu le blé et a récupéré toutes les graines. Ensuite, la petite poule rousse demanda à ses amis « Qui veut m'aider à moudre ces grains pour en faire de la farine ?»« Pas moi !» dit le cochon. « Pas moi !» dit le canard. « Pas moi !» dit le chat. Alors, je moudrai ces grains moi-même, dit la poule rousse. Et c'est ce qu'elle fit. Elle a transformé les graines de blé en farine. Ensuite, la petite poule rousse demanda à ses trois amis: qui veut m'aider à faire du pain avec cette farine? Pas moi, dit le chat. Pas moi, dit le cochon. Pas moi, dit le canard. Alors, je ferai ce pain moi-même, dit-elle. Et c'est ce qu'elle fit. Elle a préparé du pain. Elle le met au four à cuire. Puis, la petite poule rousse appela ses amis. « Qui veut m'aider à manger ce pain ?»« Moi !» dit le canard. « Moi !» dit le chat. « Moi !» dit le cochon. « Oh non !» dit la petite poule rousse.
c'est nous qui allons manger ce pain. Mes trois poussins et moi. Et c'est ce qu'ils firent. Ils n'étaient pas là pour lui donner un coup de main à chaque étape. Depuis qu'elle a essayé de transformer ce petit grain en farine, elle a dû le planter, le faucher, battre les épis de blé, récupérer les grains de blé, moudre le blé, le transformer en farine. Et bien, quand elle a transformé tout ça et qu'elle a fait cuire du pain, ben les amis n'étaient pas invités parce qu'ils n'ont pas donné un coup de main. Voilà mes loulous, j'espère que vous avez aimé mon histoire. Je vous dis à très bientôt pour une autre histoire.